chez nous, ma fille. Oh, tu as faim. Je suis à toi. Oui, je sais, je sais. C'est ridicule. Merci, Georges. Allô? Oh, Kate. Comment ça va? Inquiète à ton sujet. Où en es-tu, Suzy? Tout, Kate. Se casse la gueule. C'est fini. Capoute. Oh, et quand as-tu décidé ça? La nuit dernière. Toi, tu sais que j'ai tout essayé. Combien je voulais que ça marche. Mais que restait-il? Rien. Et Ben est d'accord? Non. Quand quelque chose meurt, la seule chose à faire, c'est de l'enterrer. J'ai appelé mon avocat dès ce matin. J'ai un rendez-vous pour demain. Je commence la procédure immédiatement. Tu es pressé? Pourquoi attendre? Je suppose que tu es sûre. Je le suis. Je pensais un peu recevoir un appel de toi. Ma grande sœur a de l'intuition. Eh bien, je n'avais pas besoin de boule de cristal, c'est bien ça. Écoute, Suzy, pourquoi tu ne montes pas ici? On parlera ou non, comme tu voudras. Cathy, j'aimerais bien, mais c'est trop compliqué. Il y a le chat, le chien, l'oiseau, des milliers de choses. Mais Ben peut bien s'occuper des animaux pour quelques jours. Ben est parti. Il est parti ce matin pour son business. Et je ne veux plus être là à son retour. Et pour la maison, c'est la sienne. Normal qu'il reste. Je ne veux rien de lui. Et il n'aura plus rien de moi. Clair et net. Comme s'il n'y avait jamais eu de mariage. C'est ce que je vais dire à l'avocat. Oh, Suzy, pourquoi je ne viens pas, moi, chez toi pour te tenir compagnie? Non, je vais bien, vraiment. Il a plu ici, la météo prévoit une grosse tempête. Je ne veux pas que tu viennes ici.
Crois-tu que quelques gouttes de pluie m'arrêtent? Écoute, il n'est même pas 3 heures. Je me sens un peu seule ici sans Philippe qui est parti. J'arriverai chez toi et nous aurons tout le temps pour un verre et un petit dîner en tête-à-tête. Non, je ne crois pas. J'aurai probablement une bonne crise de larmes. Ça ira mieux après. Je t'appellerai demain, ok? Ok, chérie. Tu m'appelleras si tu changes d'avis. Oui, je le ferai. Cathy, merci d'être là. Au revoir. Tu as fini ton lait? Je vous écoute. Allô, mademoiselle. J'essaie d'obtenir avec le préfixe 408 555 4208. Et c'est toujours le signal occupé. Est-ce qu'il y aurait des problèmes de ligne dus peut-être à la tempête? Nous n'avons pas reçu de réclamation. Bien. Pouvez-vous vérifier cette ligne, s'il vous plaît? Est-ce un appel urgent? Oui, c'est pour une urgence. Je vérifie le numéro. Le téléphone est décroché. Décroché? Il n'y a pas de communication. Ah bon, merci mademoiselle. Georges, j'ai décidé de partir passer la nuit avec Suzanne. Est-ce que vous pouvez sortir la voiture pour moi? Oui, madame, tout de suite. Merci, je mets quelques affaires dans une valise. Oh, merci. Mettez ça sur le siège avant, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Faites bonne route, madame Wainwright. Gardez la place forte, George. Je ferai de mon mieux. Thank you.
Non, hein, bonjour, à votre service. Sur place, s'il vous plaît. Oui, madame. Vous allez vers le sud, madame? Oui. Et jusqu'où? Une quarantaine de kilomètres. La route est fermée plus loin à cause des éboulements. Non, je ne vais pas plus loin que ça. Également, nous recommandons aux gens d'éviter la Nationale 1, sauf urgence. Faudra la fermer, alors peut-être qu'il fera noir. Ah bon? Mais je dois téléphoner. Peut-être que je vais m'arrêter ici cette nuit. Oui, ce sera mieux. Maison One White, check-out. Georges, c'est moi. Est-ce que Suzy a appelé? Ah non, madame. Quelque chose ne va pas? Eh bien, je me trouve à Island Point et je l'ai appelée, mais ça ne répond pas. J'ai pensé que peut-être elle aurait décidé de venir en ville. Peut-être est-elle en route, madame One White? Non, je ne pense pas qu'elle viendrait sans appeler. Écoutez, je vais aller chez Suzanne et si elle arrive, appelez-moi chez elle. Voulez-vous? Sans faute, madame One White. Ok, au revoir.
trop humide ici. Salut, Kelly. Tu as faim? Oh, je ne pense pas que ce soit possible. On t'a déjà donné à manger. Tu étais ces dernières heures. J'ai appelé. Suzy? Qui est là? Répondez! Madame Oakes. Qu'est-ce que vous faites ici? Où est Madame Chappelle? Comment? Oh, attendez une minute. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous ai demandé où était Madame Chappelle. Je ne surveille pas votre sœur, elle est toujours par mon et par vous. Elle n'est pas là? Non. Et à quelle heure est-elle partie? On sait rien. Elle n'était pas là quand je suis arrivée, c'est tout ce que je sais. Et quelle heure était-il? Mon heure habituelle, 3 heures. Mais je lui ai parlé au téléphone juste quelques minutes avant 3 heures. C'est bien possible. Elle était ici à l'heure précise, d'ailleurs comme toujours. Mais c'est impossible! Vous l'auriez rencontrée sur votre chemin, n'est-ce pas? Me traiteriez-vous une menteuse, Madame Wainwright? Oh non, bien sûr que non, Madame Hawkes. J'essayais seulement d'être logique. Pour se rendre d'ici à l'autoroute, on doit passer devant votre maison et ça doit prendre au moins 5 minutes pour venir de votre maison jusqu'ici. Je sais à quelle heure je suis arrivée ici. Je peux pas dire à quelle heure vous avez parlé à votre sœur. Donc, je ne sais pas si j'aurais dû la voir passer devant ma maison ou non, pas vrai? Madame Hawkes, j'ai essayé de vous appeler 2 fois entre 3 et 4 heures et le téléphone était décroché.
Après, quelqu'un l'a raccroché, mais quand j'ai rappelé, j'ai pas eu de réponse. Et vous êtes certaine d'avoir été ici tout ce temps? Madame Wainwright, il y a des gens qui ont un boulot à faire. J'essaie d'assumer le mien et je m'occupe pas du tout du téléphone. Je suis arrivée ici à 3 heures et j'ai été directement là-haut. Et aujourd'hui, c'est le jour du haut. Oh, et vous n'avez probablement pas entendu le téléphone sonner parce que votre appareil n'était pas branché. Bien sûr, car personne ne m'appelle ici. Et la petite chienne, est-ce que vous l'avez vue? Avez-vous vu la chienne, Madame Hawks? C'est pas utile de crier. Non, j'ai pas vu la chienne, nulle part. Elle l'a probablement emmenée avec elle quand elle est partie. Allô? Allô? Est-ce que Suzanne est là? Non, elle n'est pas là. Qui l'appelle, s'il vous plaît? Je suis Edith Jordan. Oh, Edith, salut, comment vas-tu? Ici, c'est Catherine Wainwright. Catherine Owen? Oh, Catherine! Salut! Quand est-ce que tu es arrivée? Il y a moins d'une heure. Ah, eh bien, Suzy va rentrer tôt. Je pense qu'elle va rentrer. Elle n'était pas là quand je suis arrivée. Et comme elle ne savait pas que je venais, je ne suis pas sûre. Elle a pu sortir pour aller dîner. Non, j'en doute fort. À moins qu'elle soit en route pour ici. Tu lui as parlé, Cathy, depuis hier soir? Oui, tard cet après-midi. Alors, tu sais ce qu'elle a décidé? Oui. Oui, nous avons eu une très longue conversation ce matin aussi. Je lui ai dit de venir ici, de dîner et de dormir là-dessus. Et elle... Oh, alors je ne comprends pas. Il semblerait qu'elle soit partie quelques heures. Madame Hawks est là depuis 3 heures. Mais que fait-elle là-bas? Suzanne a renvoyé cette vieille sorcière. Elle a eu du mal à s'en débarrasser. Elle me l'a dit hier soir. Elles ont eu des mots. Plus que d'habitude, je parie. Tu en es sûre? Suzanne lui a donné 2 semaines de paye et dehors. Si c'était moi, elle aurait pu attendre pour les 2 semaines. Hein? Mais... alors, que fait-elle ici? Eh bien, j'ai toujours pensé que cette vieille sorcière était tout à fait étrange. Elle est si possessive envers Ben et la maison. Il faut la chasser immédiatement, employer la force si nécessaire. Mais... je te déconseille d'essayer. Je suis sûre que sa morsure est empoisonnée. Bon, si elle finit par arriver chez toi, veux-tu lui dire de m'appeler? Oh, bien sûr, je te ferai appeler tout de suite. Et si elle rentre, fais-le-moi savoir, veux-tu? Je suis un peu préoccupée par elle. Arrivera-t-elle à s'en sortir? Oui, oui, je te rappellerai, Edith. Au revoir. Glacial. Madame Hawks, le chauffage ne fonctionne pas. C'est pas mon travail. Est-ce que vous savez l'allumer? Non. N'avez-vous pas une chaudière chez vous? Non, j'ai pas un de ces nouveaux systèmes. Si vous avez froid, asseyez-vous près du feu. Thank you.
que vous faisiez à la cave? Démarrer la chaudière. Madame Oakes, n'avez-vous pas la moindre idée où Madame Chapelle peut être depuis tout ce temps? Elle a pu aller voir son avocat, je pense, au sujet du divorce. Comment savez-vous au sujet du divorce? Ça a été décidé pendant la nuit. Ça couvait depuis bien longtemps. N'importe qui doté d'une vue normale pouvait le voir. Est-ce que vous réalisez que M. Chapelle est sur le point de perdre cette maison s'il accepte le divorce maintenant? Ce ne sont pas vos affaires. Oh, dites, cette maison a été mon affaire pour les 10 dernières années. Chaque jour, du petit déjeuner au dîner, je m'occupais de tout l'ensemble, de cette maison et de M. Chapelle, moi, jusqu'à ce qu'elle arrive. Et ça suffit, Madame Oakes. Ne vous souciez pas du dîner. Si vous avez fini les autres travaux, vous pouvez partir. Je suis sûre que Madame Chapelle rentrera bientôt et on préparera quelque chose nous-mêmes. Point 1, je n'ai pas fini mes autres travaux. Point 2, on est mercredi. Et les mercredis, Monsieur Chapelle a toujours mon pot-au-feu anglais pour son dîner. Monsieur Chapelle ne dînera pas à la maison, il est à Los Angeles. Ah bon? Personne ne me l'a dit. Vous pouvez me croire, c'est vrai. Et ni Madame Chapelle ni moi-même n'aimons la viande bouillie en général. Dans cette maison, je prends les ordres de Monsieur Chapelle. Madame Oakes, vous ne me laissez pas le choix. Je sais par hasard que Madame Chapelle vous a renvoyé. Alors ayez la gentillesse de vous en aller. Je travaille pour Monsieur Chapelle depuis très longtemps. Il m'a engagé. Il est donc le seul qui puisse me renvoyer. Entendez-vous ce que je vous dis? Je veux que vous partiez. Tout de suite. Madame Chapelle, sa voiture est au garage. Elle n'est pas passée par ici. Madame Oakes?
que la secrétaire de M. Chapelle est là. Je ne connais pas son nom. Elle est absente aujourd'hui. Ah. Peut-être pouvez-vous m'aider. Où descend M. Chapelle quand il va à Los Angeles pour l'accompagner? Il descend toujours au Whitehall. Le Whitehall, merci. Madame? Oui? Monsieur Chapelle n'est plus chez Sloan et Simpson depuis quelque temps. Quoi? En êtes-vous sûr? Oui, il a quitté la société depuis plus d'un mois. Je vois. Merci. Merci beaucoup. Suzanne ne m'a jamais parlé de ça. Callie, ça va? Tu as toujours faim? Madame Ours? Madame Ours? C'est vous? J'ai pas besoin de ça. Bonne nuit. Cherches-tu dans la cave? Viens. Et viens à l'entrée du feu. Viens. Allez, viens. Couche-toi près du feu et fais-toi sécher. Est-ce que Monsieur Benjamin Chapelle est descendu chez vous? Un moment, s'il vous plaît. Non, il n'est pas ici. Bien, avez-vous une réservation pour lui? Il n'a pas annulé sa réservation? Non.
Bon, alors j'ai un message, s'il vous plaît. Qu'il appelle son domicile aussitôt qu'il arrive. Oui, c'est ça, merci. Viens, le chien. Allô? Cathy, c'est Edith. Est-ce que Suzanne est rentrée? Non, pas encore. C'est étrange. Sa voiture est au garage. J'ai cru qu'elle était arrivée quand je l'ai vue. Je pense qu'un ami a pu venir la chercher à la maison. C'est possible, mais... Catherine, je crois que tu dois appeler la police. Et déclarer sa disparition. La police? Vraiment? Tu penses vraiment que je dois? J'allais même te suggérer que Harry pourrait venir te chercher pour le dîner, mais j'ai entendu à la radio que la route numéro 1 est fermée. Entre chez toi, ici. C'est très aimable de votre part, mais je suis bien ici. J'ai probablement été un peu folle. J'ai mal réagi, imaginant toutes sortes de choses. Je ne supporterai pas d'être seule dans notre maison par une nuit comme celle-ci. Spécialement avec le souci au sujet de Suzanne. Oh, je serais tellement paniquée. Je crois vraiment que tu dois appeler la police. Allô? Allô? Edith? Jordan a appelé notre permanence et nous a demandé de venir nous assurer que vous alliez bien. Oh, tout va bien. Entrez, je vous en prie. Merci. Votre téléphone est en panne? Oui, j'ai bien l'impression. Je viens d'essayer à nouveau. Oui, on l'a signalé, mais beaucoup de lignes ont été endommagées par la tempête. Je crains qu'il faille attendre que ce soit réparé.
Madame Jardin est en train d'appeler partout pour localiser votre sœur et lui dire que vous êtes ici. Oh, merci. Je commençais à me préoccuper. En cas d'urgence, nous pouvons emprunter la route nationale vers le nord. Si vous désirez qu'on vous conduise à la maison de Madame Jardin, elle nous a dit que vous pouviez y dormir. Oh, c'est aimable à vous, mais je... Madame Chapelle peut rentrer d'un moment à l'autre et je préfère rester ici. Vous pouvez laisser un message. Non, non, je reste ici. Oh, serait-il possible, si Madame Chapelle est localisée quelque part par vous, de me le faire savoir? Oui, madame. Nous restons en contact avec Madame Jardin s'il y a quelque chose. On revient chez vous. Merci. Que pouvons-nous faire d'autre pour vous? Oh, oui. Une partie d'arbre a défoncé une fenêtre à l'étage et c'est trop lourd pour moi. Et la chambre risque d'être inondée. Ah bah, je crois qu'on peut le repousser, mais il nous faut de quoi le bloquer. Oh, je crois qu'on peut trouver ça à la cave. D'accord. Il y a sûrement quelque chose ici que vous pourrez utiliser. Ben voilà, ça devrait fonctionner. Et combien fait cette fenêtre, hein, madame? Celle-ci est assez large, je crois. Oui, ça devrait aller. Ah, il nous faut un outil pour la mettre en place. Oui, ben prenons ça, ça suffira. Oui, ça va tenir, hein? Merci beaucoup. Ça va, ma fille? Il y a une voiture de police qui stationne à 3 km vers le nord. Si vous changez d'avis ou si vous avez besoin d'aide... Oui, très bien, merci encore. Chienne, n'en rajoute pas. Thank you.
Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Faites-vous sécher. J'ai aperçu la police qui passait devant ma maison. Je me suis dit qu'il était arrivé quelque chose ici. Que voulait-il? Oh non, il nous apportait un message de Madame Jordan. Pourquoi n'y a-t-il plus de lumière? C'est pas la tempête, je suppose. Je ne crois pas. Nous sommes sur la même ligne. Et chez moi, il y a le courant. Peut-être que c'est un plomb. Je vais jeter un coup d'œil. J'allume une bougie. Il doit y avoir une lampe torche quelque part. La voici. Et voilà les plombs. J'ai pensé que ça pouvait venir des plombs, mais je ne savais pas où se trouvait le compteur. C'est à la cave. Venez avec moi. Pourquoi? Je n'ai plus de bons yeux. Quelquefois, il est difficile de trouver celui qui a fondu. Madame Wainwright, vous devez comprendre le problème de Monsieur Chapelle. Il est très endetté et un divorce en ce moment pourrait entraîner sa chute. Madame Hawks, je ne tiens vraiment pas à discuter le problème de Monsieur Chapelle avec vous. Il va perdre cette maison et tout ce qui lui reste. Je comprends votre attachement à Monsieur Chapelle, mais cela se réglera entre Monsieur Chapelle et Madame Chapelle. Vous pensez qu'il l'a épousée pour son argent, c'est ça? Madame Hawks, par pitié. Quelqu'un a tourné le commutateur. Vous! C'est vous! Quoi? Je sentais qu'il y avait quelqu'un ici. Vous n'en êtes jamais parti, c'est ça? De quoi parlez-vous? Vous avez éteint les lumières pour m'effrayer. Pourquoi? Haïssez-vous donc ma sœur à un tel point? Vous dites des bêtises. Vous étiez là-dessous à la cave! Faisant des bruits pour m'effrayer, vous essayez de me chasser de cette maison. Mais quel serait mon intérêt? J'en sais rien. Mais je vous ai entendu. Je vous ai entendu! Avez-vous dit ça à la police? Oui, je l'ai dit. Vous mentez. Mais vous le faites très mal. J'étais dehors pour regarder. Si vous l'aviez dit, il ne l'aurait pas cru.
C'était vous, tout le temps. Sortez de cette maison. Partez. Partez. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Mais je ne devrais pas, c'est vrai, être trop surpris, vu les circonstances. Évidemment, Suzanne t'a dit. Mais Suzanne n'est pas ici. Pas ici? Ah. Où est-elle? Je ne sais pas. Je suis très inquiète, j'attends depuis des heures. Je suis même sortie pour la chercher. Peut-être qu'elle est partie chez toi. Sa voiture est au garage. C'est drôle. Bon. Probablement un ami est venu la chercher. Elle a pu ressentir un besoin de parler. Je suppose que tu sais au sujet de nous. Elle me l'a dit au téléphone. Voilà pourquoi je suis venue la voir, mais à mon arrivée, elle n'était plus là. Elle m'a dit que tu étais à Los Angeles pour ton business. J'étais sur le point d'y aller. Après avoir craqué la nuit dernière, j'ai pensé que ce serait une bonne idée pour tous les deux de prendre du temps, de calmer. Ouais. Sur la route de l'aéroport, j'ai commencé à avoir des doutes. J'étais déjà au pied de l'avion quand j'ai décidé de différer ou d'annuler mon départ. Je me suis assis à l'aéroport et j'ai commencé à repenser à tout ce que nous nous étions dit. Et plus je pensais à tout ça, plus je... Ah, enfin, l'avion est parti sans moi. Et le suivant aussi. Finalement, j'ai décidé de revenir à la maison et d'essayer par tous les moyens de trouver une façon de nous réconcilier. C'est sûrement plus important qu'un voyage d'affaires. Moi, je vais la trouver. Le téléphone est en panne. Tout ce qu'il y a de plus mort. Je vais monter, me débarrasser de ces vêtements humides et je vais réessayer tout à l'heure. Ben, savais-tu que Suzanne avait viré Madame Hawks? Oui, c'est triste pour cette vieille femme. Après avoir été ici tant d'années, mais je ne blâme pas Suzanne. Madame Hawks s'est occupée de Suzanne depuis que nous sommes mariés. Eh bien, elle était ici aujourd'hui nettoyant et cuisinant comme d'habitude. Ah oui? Non seulement, elle a essayé de m'effrayer pour que je parte. Ah, Catherine, je trouve ça difficile à croire. Mais c'est vrai! Elle a essayé de me paniquer. Je pense qu'elle m'aime encore moins que Suzanne. Tu crois vraiment ça? La réalité, c'est que je ne suis pas très sûr que Madame Hawks soit très équilibrée. Ben, tu ne supposes pas que Madame Hawks aurait pu faire du mal à Suzanne, n'est-ce pas? Quoi? Eh bien, je suppose cela possible. Non. Mais qu'est-ce que je dis? L'idée est ridicule. Catherine, personne n'a fait de mal à Suzanne. Tu es si nerveuse que ça finit par avoir un effet sur moi. Ben! Comment es-tu venu ici? Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire? L'autoroute. Il est fermé. Ah oui, bien sûr. Eh bien, j'ai dû prendre la route normale. Celle qui s'attrape juste au niveau de Kermix. C'est une route assez mal entretenue. Un torrent de boue. Et elle est impraticable à 3 km d'ici. J'ai dû marcher. Voilà pourquoi je suis trempé. Catherine, relax. On s'inquiète pour rien.
Suzanne passe la nuit avec une amie. J'en suis sûr. Tu verras. Et au sujet des personnes que tu devais voir à Los Angeles, les rendez-vous d'affaires ne se demanderont-ils pas où tu es passé? J'ai appelé mon bureau de l'aéroport. J'ai dit à ma secrétaire de les appeler et d'annuler. Ta secrétaire chez Sloan et Simpson? Bien sûr. Qui d'autre? Que se passe-t-il, Kat? Oh, rien. Je me demandais... Tu es en train de craquer. Voilà, il sent beaucoup mieux. Tu as essayé de téléphoner à nouveau? Non. Toujours rien. Alors? Suzanne sait au sujet de ton boulot? C'est quoi? J'ai appelé Sloan et Simpson tôt ce soir pour savoir où tu descendais à Los Angeles. Je vois. Et tu as découvert que j'ai été viré. Non, Suzanne ne le sait pas. Oui, je vois. Voilà la raison de toutes ces questions. Allais-tu vraiment à Los Angeles? Oui. Pour voir mes contacts, mes ex-clients et tout ça. J'ai frappé aux portes ces derniers temps pour me trouver une autre situation. De préférence avant de devoir dire à Suzanne que j'avais perdu celle-là. Tu as dû être sous pression ces derniers temps. Pression? Tu parles d'argent? Oui. Est-ce là une partie de vos problèmes avec Suzy? Non. Pas directement. Veux-tu un verre, Catherine? Non, merci. Je crois que moi, je vais en prendre un autre. Je n'ai pas encore réchauffé mes os. Que veux-tu dire par... Pas directement. Ah. Ça me mine de ne pas être en mesure de donner à Suzanne tout ce que je voudrais. J'ai ma part de fierté masculine. Et ça me gêne de voir qu'elle se sert de son propre argent pour ses achats personnels. Je ne vois pas pourquoi elle ne le ferait pas. Bien entendu. Mais ça entraîne plus d'une dispute, dont j'assume toute la responsabilité. Mais tu sais, j'ai tout fait pour changer ça. Par mon travail. J'avais l'impression que les 15 000 dollars supplémentaires que Suzy a tirés le mois dernier des fonds du Trust t'avaient facilité un peu les choses. Alors elle t'en a parlé? Non. Mon avocat me l'a dit. Je vois. Eh bien, mon crédit n'est pas au plus haut. En parlant d'avocat, savais-tu que Suzy doit voir le sien demain au sujet du divorce? Je ne peux pas dire que cela me surprenne. Un divorce maintenant t'enfoncerait définitivement, n'est-ce pas? Je crois. Je n'y ai pas trop pensé, car ça n'arrivera pas. La vérité est que nos difficultés sont comme ces meules de foin, posées les unes sur les autres, qui à la fin ressemblent à une énorme montagne. Mais on les surmontera, tu verras. Ces meules de foin, l'argent, et d'autres femmes? Écoute, Catherine, je sais que Suzanne était très méfiante au sujet de mes voyages d'affaires, mais j'ai laissé tomber ça bien avant notre mariage. Ben, j'ai trouvé les clés de Suzanne et son porte-monnaie en haut. Je ne comprends pas pourquoi elle serait sortie sans ses affaires. Mais elle a un autre jeu de clés. Que ferait-elle de son porte-monnaie si elle dîne chez des amis?
Oui, je l'espère, mais je n'arrive pas à me sortir de l'esprit que... Peut-être cet après-midi, elle est sortie pour chercher quelque chose et... Dans la tempête, elle a eu un accident. Elle est peut-être évanouie quelque part près d'ici. Ton imagination te joue de vilain tour. Ok. Si ça peut te rassurer. Je vais jeter un œil. Merci, Ben. On dirait qu'il ne pleut plus. Que fais-tu? Mais que se passe-t-il en toi, Catherine? Où veux-tu aller? Tout à coup, je ne pouvais plus rester là-dedans plus longtemps. Ben, je suis paniquée. Par quoi? Quelque chose de terrible est arrivé à Suzanne. Je le sais. J'en suis sûre, Ben. Je pourrais seulement prévenir la police. Catherine, tout ça n'a pas de sens. Je veux dire, on est bloqué ici jusqu'à demain. On ne peut aller nulle part. Non. La voiture de police sur l'autoroute... Si on pouvait aller le leur dire. Catherine, tu laisses ton imagination s'envoler. Allez, viens, on rentre. Mais tu te détends et je te sers un verre. Et bien tassé. Et voilà, fini la panique. Un autre. Cul sec cette fois. Ça va aller dans une minute. Dans une minute. Si, finis ton verre. Vas-y. Ben, je suis désolée. J'ai passé une journée qui m'a brisé les nerfs. Ça va aller, tu vois. Tu es sûre? Oui. Mais je suis épuisée. C'est normal. Si ça ne te fait rien, je crois que je vais monter et m'allonger. Je crois que je pourrais dormir une semaine. Bonne idée. Ah, j'y arrive. Essaie de dormir. Je te réveille quand Suzy va rentrer. Catherine? La compagnie du téléphone répare peut-être la ligne en ce moment. Je suis sûr qu'il va remarcher. Oui, moi aussi.
Qu'as-tu? Tu veux aller dehors? Catherine! Non! Monsieur Chapelle, non! Laissez-la partir! Madame Jordan a appelé la police! Suite de l'accident de voiture ayant provoqué la mort de Benjamin Chapelle, l'innocence de Catherine Wainwright a été reconnue par les enquêteurs après un interrogatoire de plusieurs heures. Ces déclarations entraînèrent la mise en garde à vue de Madame Hawkes, domestique du couple Chapelle, qui fut également relâchée par les policiers. L'enquête ne permit jamais de découvrir le ou les coupables du meurtre de Suzanne Chapelle.